Bravo! Où avez-vous appris à vous battre? Là-bas! Encore un peu de patience. Ayez votre lame comme un vrai diable. Allons-y. Fouillez partout! Je veux ces documents! Lui? Diable! Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut. Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Vous n'avez pas manqué d'allant, là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes? Je n'ai jamais aimé obéir aux ordres. Ah, un individualiste. Le fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Si vous vous engagiez aujourd'hui, vous seriez maréchal avant 10 ans. Je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au Carrousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. Et maintenant, attendez un instant. Vous devriez vous abriter. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille. Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien.